Alors, on va s'intéresser aujourd'hui au cours de géométrie dans l'espace, la partie produits scalaires en terminale S. Donc, au départ, je commence toujours par une activité de démarrage. Donc là, je vous propose un cube ABCD EFGH. O est le centre de la face EFGH. Et on va vous demander de prouver qu'il y a deux vecteurs orthogonaux. C'est le vecteur U qui est égal à BO. Donc le vecteur BO, il est ici exprimé, je vais vous le mettre avec une flèche. Donc le vecteur BO, il serait en pointillé ici à peu près. Et puis le vecteur DF, enfin en pointillé entre guillemets, parce qu'un vecteur, c'est une translation, vous n'oubliez pas, il n'est pas fixe. Et le vecteur DF, donc le vecteur DF, c'est donc ce vecteur ici présent. Donc le but, c'est de montrer que ces deux vecteurs sont orthogonaux. Alors, je ne vais pas faire le raisonnement ici, puisque c'est l'activité de démarrage, mais vous avez la possibilité de le voir devant vous sur le cours. Donc, le but pour démontrer que des vecteurs sont orthogonaux, c'est vraiment de montrer que leur produit scalaire est égal à zéro. Et pour montrer qu'un produit scalaire est égal à zéro, souvent, on va utiliser les propriétés de la relation de Schall et de distributivité qui vont nous permettre de tomber sur soit des normes de AB au carré, qui donneront donc la longueur AB au carré, soit sur deux vecteurs qui seront orthogonaux, donc leurs produits scalaires seront orthogonaux. Donc pour répondre à la situation de démarrage, j'ai commencé par utiliser la relation de Schall pour qu'elle m'arrange, j'ai fait des distributivités, et puis je suis arrivé à un produit scalaire qui est nul, donc on a bien des vecteurs orthogonaux. Donc ce qui va m'intéresser, c'est plutôt la suite. Donc, on va déjà repartir sur le cours de première. Donc, on a plusieurs façons de définir le produit scalaire. En gros, mécaniquement, le produit scalaire de deux vecteurs, ce n'est rien d'autre que le travail de deux forces, U et V. Donc, quand les deux forces sont orthogonales, le travail est nul. Et lorsque les deux forces sont collinéaires et dans le même sens, on a un travail maximal. Donc, ça, en mécanique, ceux qui aiment bien la physique et la cinématique, vous pouvez déjà faire le lien du produit scalaire avec cette notion-là. Donc, si on part dans l'idée que U scalaire V, c'est 1 demi de norme de U plus V au carré moins norme de U au carré moins norme de V au carré, on peut en déduire d'autres propriétés. Et à partir de là, on peut aussi dire, et ça, c'est ce que vous avez vu en première, que U scalaire V, c'est norme de U fois norme de V fois cosinus de l'angle entre les deux vecteurs. Donc, cette propriété, elle va être intéressante parce qu'elle va nous permettre de trouver l'angle entre deux vecteurs lorsque justement on a ces deux vecteurs. Ce qu'on ne pouvait faire avant que quand on avait entre guillemets des triangles rectangles avec la trigonométrie. Alors juste un petit moyen mnémotechnique de se rappeler cette formule. En vrai, rappelez-vous qu'il y a une sorte d'identité remarquable avec norme de u plus v au carré et on aurait pu faire exactement la même chose avec norme de u moins v au carré. Donc sauf que là on aurait eu un moins ici et on aurait inversé le sens. Et donc ça, souvent, ces deux formules-là, on les utilise lorsque on a trois points définis dans le plan et donc on veut chercher les angles de vecteurs à partir de ces trois points. Alors, il faut se rappeler quelques règles avec les vecteurs et les produits scalaires. D'abord, le produit scalaire est ce qu'on appelle commutatif, c'est-à-dire que U scalaire V est égal à V scalaire U. Alors, mais ça vient du fait que le cos d'un angle est égal au cos de son opposé. On peut distribuer une constante sur U plus V. Quand on multiplie avec deux constantes, ça revient à multiplier les deux constantes. Quand on a un produit scalaire avec une constante à l'intérieur, on peut sortir la constante. Et ce qui est très important, c'est que AB scalaire AB, ce n'est rien d'autre que la norme de AB au carré, puisque le cosinus de l'angle ABAB, c'est cosinus de l'angle 0, c'est-à-dire c'est 1, c'est donc la longueur AB au carré. Et autre théorème important, dans un repère orthonormé, et là le mot orthonormé est très important, le produit scalaire ça va s'exprimer avec x' plus y' plus z'. Mais en gros, c'est la même partie qu'en première, sauf qu'ici on est en trois dimensions. Alors, on va définir ce qu'on appelle des vecteurs orthogonaux. Alors, des vecteurs orthogonaux, ce sont tout simplement des vecteurs tels que, à la base, le produit scalaire est égal à 0. Mais concrètement, qu'est-ce qui se passe? On dira que des vecteurs sont orthogonaux, soit s'il y en a un des deux qui fait vecteur nul, d'accord? Soit s'il y a vraiment des droites OA et OB qui sont perpendiculaires, ou des droites orthogonales dans l'espace si il n'y a pas de point commun. Donc ça va être nos notions de vecteurs orthogonaux. Donc le vecteur nul, par définition, va être orthogonal à toutes les autres vecteurs. Et
on remarque que grâce à cette définition, on aura une équivalence entre dire que les vecteurs sont orthogonaux et le produit scalaire est égal à 0. Donc c'est ça qui est intéressant, de considérer que le vecteur nul est orthogonal à tous les autres vecteurs, c'est qu'on va pouvoir avoir cette équivalence. Et à partir de là, c'est très important parce qu'on va pouvoir définir ce qu'on appelle un vecteur normal à un plan. Alors pour avoir un vecteur normal à un plan, concrètement, ça veut dire que AB est un vecteur normal au plan P si la droite AB est orthogonale au plan P ou perpendiculaire. Je vous rappelle que la notion de perpendiculaire existe lorsqu'il y a un point commun et orthogonal, c'est dans le sens général dans l'espace. Alors ça doit vous rappeler justement le chapitre qu'on avait vu avant, en géométrie pure, pour montrer qu'une droite est orthogonale à un plan, on va montrer qu'elle est orthogonale à deux droites sécantes du plan. Donc ça va nous permettre de prouver qu'un vecteur est normal à un plan, en prouvant qu'il est orthogonal à deux droites sécantes du plan. Alors théorème, si on prend un plan P défini par un point A et par un vecteur normal, alors ça par contre il faut bien se rappeler que grâce à un point et un vecteur normal, on va définir un unique plan P. Et bien chaque fois que vous aurez un point M dans ce plan, vous aurez que le vecteur AM est orthogonal au vecteur normal N. Ça veut dire que le produit scalaire de AM et de N est égal à 0. Et ça va vous rappeler un petit peu peut-être les équations cartésiennes de droite quand vous étiez en première, où on partait d'un vecteur aussi normal à la droite et on disait que grâce à un produit scalaire nul, on arrivait à une équation du type AX plus BY plus C égale 0. Sauf qu'ici, comme on est dans l'espace, on va arriver à une équation où il y aura trois coordonnées X, Y, Z. Donc ce que je vous disais, une droite orthogonale à un plan, si elle est orthogonale à deux droites sécantes du plan. Donc pour vérifier qu'un vecteur normal, qu'un vecteur est normal à un plan, il suffira de montrer qu'il est orthogonal à deux vecteurs directeurs du plan, par exemple AB et AC si c'est le plan ABC. Alors je vous ai mis un petit exemple pour que vous compreniez un petit peu comment ça fonctionne. Donc j'ai un vecteur normal 1, 2, 3 d'un plan ABC. Les points ont été caractérisés par des coordonnées. Et donc, je vais montrer que c'est bien un vecteur normal, puisque c'est souvent la question qu'on va vous demander, en prouvant que n scalaire AB est égal à 0, n scalaire AC est égal à 0, et ABAC, vecteur non collinéaire. Donc pour pouvoir faire ça, je vais d'abord calculer les coordonnées du vecteur AB en faisant les coordonnées de B moins les coordonnées de A. Donc les coordonnées de B, c'est donc 3, moins 2, 0, moins les coordonnées de A, 0, 1, moins 1. On trouve donc pour le vecteur AB, 3, moins 3, 1. On fait le produit scalaire dans un repère orthonormé. Alors bien sûr, il faut bien se rappeler que quand on va faire ce genre de calcul, ça sera toujours dans des repères orthonormés. Et d'ailleurs, les équations que vous allez voir plus tard d'équations cartésiennes de plan, ça sera encore dans des repères orthonormés. Et donc, 1 fois 3 plus 2 fois moins 3 plus 3 fois 1, 3 moins 6 plus 3, 0. On fait pareil avec le calcul de n scalaire AC, on remarque que ça fait 0, donc c'est comme ça qu'on va prouver qu'un vecteur n est normal à un plan ABC. Alors on va continuer dans le cours. Et donc, dans un repère orthonormé, grâce à ça, on va pouvoir prouver que tout plan P va pouvoir s'écrire sous la forme, enfin tout point M d'un plan P va vérifier une équation qu'on va appeler équation cartésienne du plan, qui sera sur la forme AX plus BY plus CZ plus D égale 0. Donc ça vous fait normalement vous rappeler des équations cartésiennes de droite qui, celle-ci était à deux dimensions, alors que le plan, vous êtes à trois dimensions. Et pareil, si vous avez une équation de ce type où tous les points M vérifient AX plus BY plus CZ plus D égale 0, automatiquement, ça va correspondre à un plan. Et une des particularités de cette équation, c'est que les coordonnées ABC vont correspondre à un vecteur normal. Donc si vous avez un vecteur normal, ça vous donnera le début de l'équation cartésienne. Et si vous avez l'équation cartésienne, ça vous donnera un vecteur normal. Sachant que pour avoir tous les vecteurs normaux, ça sera juste des vecteurs collinéaires, donc proportionnels à ce vecteur normal. Et donc on va continuer. Je vous donne un petit exemple pour que vous compreniez comment ça fonctionne. Donc je suis dans un repère orthonormé et je cherche une équation cartésienne d'un plan qui passerait par un point fixe et qui aurait pour vecteur normal 1, 2, 3. Alors il y a deux façons de faire cet exercice.
La méthode en général que vous utilisez le plus facilement, c'est la méthode que j'ai mis en deuxième position, ici. J'ai dit que puisque n était un vecteur normal 1, 2, 3, le début de mon équation va commencer comme ça. 1x plus 2y plus 3z plus d égale 0. Donc c'est déjà assez rapide. Et pour trouver cette petite constante d, ben, il suffit de remplacer les coordonnées du point A dans cette équation. Donc on va remplacer le x par 1, le y par moins 1, le z par 2. Et ça a l'intérêt d'avoir une équation du premier degré où l'inconnu c'est d. Donc vous résolvez, vous trouvez le d et vous finissez par avoir votre équation cartésienne de plan ici présente. Donc souvent les élèves préfèrent utiliser cette méthode, mais moi je la mets un peu moins parce qu'elle fonctionne par automatisme plutôt que par réflexion. Moi je préfère dire que quand on a un vecteur normal et un point, ça veut dire que l'ensemble des points du plan vérifieront AM scalaire n égale 0. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure avec ce schéma. On prend un point M dans le plan, on sait que AM et n sont des vecteurs orthogonaux, donc le produit scalaire va faire 0. Et à partir de là, il suffit de prendre les coordonnées de AM, c'est-à-dire x moins xa, x moins 1, y moins moins 1, y plus 1, z moins 2, et après de faire le produit scalaire avec le vecteur normal 1, 2, 3. Et ça, en vrai, c'est assez rapide. Et quand vous développez, vous tombez sur une équation cartésienne de plan. Alors bien sûr, suivant que vous faites passer à gauche ou à droite, vous allez avoir des signes moins qui vont apparaître ou pas. De toute façon, toutes les équations cartésiennes de plan seront proportionnelles pour le même plan. Alors, je vous ai donné un exemple 2. Cette fois-ci, je cherche qu'est-ce que c'est que cet ensemble de points. Donc, normalement, vous devez vous rappeler que c'est un plan. Il va être caractérisé par un point et par un vecteur normal. Donc, le vecteur normal, il est facile à trouver. C'est le vecteur qui est obtenu avec chacun des coefficients devant x, y, z. Donc, ici, j'ai 2, moins 3, 4. 2, moins 3, 4. Et pour trouver un point du plan, pareil, on a l'embarras du choix. Mais moi, j'ai choisi de fixer x égale 0, y égale 0. Je remplace là de temps et ça me permet de trouver le z. Donc j'ai un point de coordonnées 0, 0, moins 1,5 qui appartient à ce plan. Mais en vrai, je pourrais en avoir plein. Et donc le théorème 6 qui va suivre est le suivant. Donc j'ai une façon de prouver que des plans sont perpendiculaires. Donc en gros, des plans perpendiculaires, ils vont former un angle droit entre eux. C'est que si j'ai un vecteur normal n du premier plan P, si j'ai un vecteur normal n' du deuxième plan Q, automatiquement, ces vecteurs normaux seront orthogonaux. C'est comme ça que vous allez prouver que des plans sont perpendiculaires. Je vous ai mis un exemple juste en dessous. Je prends un plan d'équation cartésienne donnée, un deuxième plan d'équation cartésienne donnée. Je vais commencer par chercher les vecteurs normaux. Donc ici, j'aurai donc 2, 1, 1, coefficient devant x, y, z. Ici, j'aurai 1, moins 2, 0. Je fais le produit scalaire, donc x, x' plus y, y' plus z, z'. Je trouve 0, ça veut dire que ces plans sont bien perpendiculaires. Donc ça, c'est assez facile à faire. Et pareil, pour montrer que des plans sont parallèles, pareil, c'est assez facile, on le voit bien graphiquement. Si j'ai un plan P et un plan Q avec des vecteurs normaux n et n', ces plans seront parallèles, si seulement si leurs vecteurs normaux sont collinéaires. Donc vous allez exactement faire pareil pour montrer que ces plans sont parallèles, ce que je vous ai mis en exemple 2. Je vous ai mis deux plans ici, je cherche un vecteur normal du premier, donc 2, 1, 1, un vecteur normal du second, 4, 2, 2. On a bien n' qui est égal à 2n, coordonnées proportionnelles, donc ces plans sont parallèles. Et vous allez vite vous rendre compte que des plans sont parallèles quand il y a une proportionnalité avec les coefficients de x, y, z, mais le d n'intervient pas. Le d, c'est ce qui va jouer dans par quel point il passe en fin de compte. Donc là, on a vu la position de deux plans. Et la dernière chose qu'on doit voir, c'est la position d'une droite et d'un plan. Alors, je vous ai fait pareil deux petits schémas pour que vous compreniez bien comment ça fonctionne. Donc, ce qui va pouvoir se passer, c'est que quand vous prenez une droite avec un vecteur directeur U et un plan vecteur normal N, on voit bien que si U et N sont collinéaires, ça veut dire que la droite D est orthogonale ou perpendiculaire au plan P. Perpendiculaire, un point commun, orthogonale, cas général. C'est ce que j'ai écrit ici. Par contre, pour montrer qu'une droite D est parallèle à un plan P, on voit bien que le vecteur directeur U
dont j'ai pris un représentant dans le plan dessiné ici, on voit bien que ce vecteur U et le vecteur N' devraient être orthogonaux. Donc si U et N sont orthogonaux, c'est que la droite et le plan sont parallèles. Et si ce n'est pas le cas, c'est qu'ils sont sécants. Donc pour montrer qu'une droite et un plan sont sécants, on ne va pas le montrer directement, ce n'est pas le plus rapide. On va montrer qu'ils ne sont pas parallèles, c'est-à-dire que le vecteur directeur de la droite et le vecteur normal du plan ne sont pas orthogonaux. Et donc je vous ai mis un petit exemple pour que vous compreniez un petit peu comment ça fonctionne. Je vous ai dit, on prend un plan dont l'équation cartésienne est la suivante, ça va nous permettre de trouver un vecteur directeur. Donc 1, moins 1, 1. On prend une équation paramétrique de plan. Donc équation paramétrique, c'est obligatoire, on n'a pas d'équation cartésienne de plan de droite dans l'espace. C'est défini à partir d'un vecteur directeur. Ce vecteur directeur, il est obtenu à partir des coefficients devant le paramètre, puisque c'est proportionnel au vecteur directeur. Donc 2, moins 1, 1. J'ai donc mon vecteur directeur ici de la droite. On va vérifier si ces vecteurs sont orthogonaux, et donc on est dans un repère orthonormé, c'est obligatoire, et on fait U scalaire N, 1 fois 2, plus moins 1 fois moins 1, plus 1 fois 1. On remarque que ça ne fait pas 0, ça veut dire que la droite et le plan ne sont pas parallèles, et si une droite et un plan ne sont pas parallèles, c'est qu'ils sont sécants en un point. Et pour trouver les coordonnées de ce point d'intersection, c'est assez facile, on va prendre l'équation cartésienne du plan, et on va y remplacer l'équation paramétrique de la droite. Alors ça a quel intérêt? Ben, l'intérêt que ça a, c'est qu'il n'y a plus qu'une seule inconnue ici, c'est t. On va trouver la valeur du paramètre t, puis pour trouver les coordonnées du point d'intersection, on va remplacer t dans x, dans y et dans z. Donc dans notre cas, le point d'intersection, c'était l'origine du repère. Voilà, en gros, c'est le cours de géométrie dans l'espace sur le produit scalaire.